et des hommes dans la lune. Quand elle n'est plus qu'un croissant, il faudrait qu'il fiche le camp. C'est bien vrai, ça, monsieur chevalier. C'est bien vrai, mademoiselle Ballet. Dites-moi, monsieur chevalier. Poisson. Oh, monsieur chevalier. Poisson. Secours-toi donc sur tous les clochers des églises. Attrapons-le comme à Saint-Roch. Mettons tous le son un coq. Dites-moi cela d'une façon précise. Mademoiselle Ballet, c'est que mettre une foule serait une bêtise, car les œufs qu'elle fondrait en tombant se casseraient. C'est bien vrai, ça, monsieur chevalier. C'est bien vrai, mademoiselle Ballet. Dites-moi, monsieur chevalier. Quoi donc? Oh, monsieur chevalier. Oh, mais quoi donc? Secours-toi donc quand un jeune homme se marie. Ne le laissons pas dormir avec l'objet de ses désirs avant de prononcer le oui à la mairie. Mademoiselle Vallée, c'est que s'il dormait avant près de sa chérie, désabusé très souvent, pour toujours il faudrait le camp. C'est bien vrai, ça, monsieur chevalier. C'est bien vrai, mademoiselle Vallée. Dites-moi, monsieur chevalier. Quoi donc? Oh, monsieur chevalier. Quoi donc? De comment faites-vous compte une demoiselle qui a peur pour sa vertu, un jour vous a défendu de remettre désormais les pieds chez elle. Mademoiselle Vallée, je ne remets jamais les pieds chez la cruelle. Mais si j'y retourne un matin, alors là j'y mets les mains. C'est bien vrai, ça, monsieur chevalier. C'est bien vrai, mademoiselle Vallée. Nous partions dans un beau sous-marin vert, notre sous-marin vert, vert comme la mer. Tantôt vert et tantôt bleu, tantôt vert et bleu, comme nos rêves bleus. Bonjour, monsieur. Bonjour, Maurice Chevalier. Ce sous-marin vert n'est pas un inconnu. Le sous-marin vert? Oui. Ah, c'est la chanson des Beatles, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a amené à enregistrer ce disque? Comme j'ai beaucoup d'admiration pour les Beatles et que je trouve que cette chanson-là est une chanson qui va très bien aussi en français, alors j'ai accepté de le faire avec plaisir. Vous avez eu des problèmes particuliers, non? Non, aucun. Il y a toute une chose de technique qui doit être faite en même temps avec des chœurs, avec des bruits de bateaux, de sous-marins, tout ça. Mais enfin, c'est pas difficile et c'est un rythme très facile. Qu'est-ce qui différencie un petit peu votre sous-marin de celui des Beatles? Ben, nous avons essayé dans le nôtre, n'est-ce pas? On ne peut pas améliorer dans ce genre-là une chose que font les Beatles, mais on peut la faire un peu différente. Et nous avons essayé de donner à notre sous-marin et à nos marins, en somme, une petite chaleur un peu plus française qu'anglaise. Est-ce que vous connaissez les Beatles? Vous les avez déjà rencontrés? Non, je les ai écoutés, je n'ai jamais vu. Je les ai vus à la télévision, je les ai entendus au disque. Je ne les ai jamais rencontrés, mais très sincèrement, je trouve que c'est très, très bon. Et vous partez aux États-Unis maintenant? Je pars demain aux États-Unis pour chanter 4 semaines à New York, au Waldorf Astoria, pour faire une quinzaine de récitals d'un jour dans plusieurs villes. Je reviens après ça chez moi, passer les fêtes de jour de l'an, les fêtes de décembre, les fêtes de Noël, n'est-ce pas? Et après, je repars en Afrique du Sud. Enfin, je suis toujours en train de sauter un peu là et là. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon voyage avec votre sous-marin. Merci. 1, 2, 3, 4. Nous partons dans un beau sous-marin vert, notre sous-marin vert, vert comme la mer. Tantôt vert et tantôt bleu, papa, tantôt vert et bleu, papa, comme nos rêves bleus. Papa, nous partons dans... Eh ben, je pars aussi, au revoir.